Bonjour la VOD! On découvre The Okosis! Mais c'est durant un événement caritatif. Alors du coup, vous avez des overlays un petit peu envahissants, mais ça va quand même, ils sont petits. On est à l'Armadédéon et on teste The Okosis. Coucou la VOD! Le chat vous dit coucou! J'ose pas changer de scène pour vous montrer le chat. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé des dingueries tout à l'heure. Alors j'ose pas. Mais en tout cas, le chat il dit coucou à la VOD. Alors. Je fais les paramètres. Rescue the Animals. En gros, c'est un jeu d'horreur où on doit sauver des animaux d'une sorte de maladie un peu chelou. Ok, merci, guide. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. Il y a, on est dans un zoo où il y a des bestioles qui ont des sortes de maladies ou des parasites ou je ne sais quoi qui les transforment et du coup, on doit essayer de les sauver et sinon, on doit les affronter quand ils sont transformés. C'est à peu près... Le seul truc que je sais, parce que je me suis pas spoil. Et le jeu est sorti récemment. Genre il y a début de semaine ou la semaine dernière. Voilà. Before we begin, I want you to put down your scribble. Définition de l'information confidentielle. Toute information obtenue par le gardien de nuit au cours de son emploi est considérée comme confidentielle. Ouais, on est gardien de nuit dans un zoo. Les obligations de non-divulgation. Le gardien s'engage à ne pas divulguer des informations confidentielles à des tiers. En cas de blessure ou de décès du gardien, dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur n'est pas responsable vis-à-vis de ses parents ou autres représentants légaux. La durée du contrat pour être fait à la signature est considérée comme indéterminée. Le gardien de nuit ou ses représentants légaux s'engage à ne pas impliquer la police ou autre organisme chargé de... N'appelez pas la police! Chargé de l'application de la loi en cas de décès, de blessures ou d'autres événements survenant pendant le travail au zoo de Pine Valley. Tout litige doit être résolu par négociation avant de recourir en action en justice. Toute modification du contrat nécessite l'accord écrit des deux parties. J'ai signé. Excellent. You made the right move. Just a couple more things and you'll pull your family out of poverty. I really hope so. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? De quoi? I thought this was a zoo. True. Never thought that the smart Alex belonged right in the zoo. Hope you got the joke. Excellent. Now let's get started. First, grab your personal PDA. It's necessary for interacting on with all bien the work illégal. Congratulations, you've taken the first step to vrai. Becoming a part of our close-knit zoo family. Oh, je suis un fantôme. Ah oui. Wait, what's this for? Ah, ça dit, c'est un peu intéressant. He'll find out later. Hey, du coup, il y a plus d'immersion, c'est pas si mal, non? Je sais pas. Peut-être rester un peu en translucide. Pour l'immersion. Ça le fait. Ouais, comme ça vous voyez un peu derrière moi. Non, j'aime bien. Je le laisse pour le moment. Oh, you finally awake. Vous me voyez quand good. Même. Get up. It's time to get to work. What the hell? What did you do to me? I took care of your health. Working with animals. Requires prevention. De toute façon, de travailler avec des animaux nécessite de la prévention. Tu ne voudrais pas ramener une infection à la maison. By the way, I took your phone as well. I'll return it in the morning after the shift. J'ai pris ton téléphone. Tu te retournes dans la matinée après ton travail, ton interview. Travail, my wife is waiting for me outside. Ma femme m'attend dehors. Le travail sera tien si tu réussis à passer la nuit. J'ai encore beaucoup de choses à te montrer. C'était quoi par terre? J'ai été droguée, je crois. Alors, angle de vue. Mettre 100. Sous-titres allumés. Mode de course, nudité. Ah. Ça craint sur Twitch la nudité? En vrai, je pense pas. Hein. Je veux dire, en pixel, quoi. Parce que moi, je me oui, hein. Un poil. Pas celle-là. Ouais, vas-y, je m'allume. Synchronisation verticale, taux de rafraîchissement illimité. Mettre un maximum de 60. On s'en va, mais pas plus. De toute façon, j'irai pas au-delà. API graphique, machin. Sans bord, brillance. Ok. Contrôle. Alors, la sensi, comme d'hab. Synchro vertical. Inversion verticale, horizontale, ça c'est quand t'es à la manette. Je voulais voir pour l'audio, pour le son de la musique, qui était vraiment catastrophique. Petit 69, parce que ça porte bonheur. 60, ouais. Ouais, je vais mettre 60.
C'est ce que je mets d'habitude, mais je me dis, bon, j'espère que... C'est toujours très fort, hein. Les sons d'ambiance et tout sont toujours hyper forts. Je vais mettre un peu moins fort le son général. Un bruitage constant qui nique les oreilles, moi, ça me fatigue. Cet effet sonore, on va baisser un peu aussi. Ah. Ça a l'air moins un sup. J'ai l'impression qu'il y a tout le mouvement, mais il y a un truc bizarre sur le côté. Mais enfin, c'est peut-être des petits chutes de FPS. Je vais vérifier qu'il n'y a pas une option en plus dans vidéo. Une option... Ah si, il y a peut-être. Ça sert à quoi le flou de mouvement en vrai? Personne ne garde ça, c'est trop désagréable. Je me suis toujours demandé pourquoi rajouter ça. Pour l'immersion peut-être? Commande en QWERTY si jamais. Ouais, du coup, moi, je me mets direct en QWERTY dans ce jeu-là. Je me fais pas chier à me faire les commandes. Sauf s'il y a une touche que je trouve pas, logique. Genre, C pour s'accroupir. Moi, c'est un truc que j'utilise jamais. Mais sinon, je me mets en QWERTY. I've aged even more waiting for you here. Ouais, c'est ce que je me dis, Guy, t'as raison. La nudité, tu mettras en pause comme pour AB Prod. Excuse me! Faut qu'on voit quand est-ce qu'on fait le truc AB Prod d'ailleurs. J'aurais peut-être pas le temps. Bah, peut-être dimanche. Ok, bonjour du coup. Bah, tu si, mais ouais, ouais, tu fais bien de le dire. Des fois, on voit pas. This is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Bah, TSR, je pense que c'est pour dire. Ah. MSA, TA, FXA, éteint. Qu'est-ce que c'est? Flou de mouvement est surtout quand un jeu est rapide, ça permet de masquer un côté saccadé. Ah. C'est anti-aliasing. Et ça, il le faut? Ou je l'éteins? Ok. Juste ça, non. Here we store herbs, vegetables and fish. Je sais pas, ça va, le moteur il est propre, j'aime bien le style. Par contre, trouver les instructions sur ton PDA. Charger 2 briquettes d'herbe et 1 briquette de légumes. Oui. Dans le chariot. Tout à fait. Merci. Moi je fais E, évidemment. I do have limits to my patience. Most of the bricks will be left as a reserve. Apportez le chariot. And take these ones with you. It's time to show you our workhorse. Let's go, on va voir les animaux. Je ne sais pas. Vous êtes quelque chose en travail que tu n'es pas encore prêt à connaître. Commençons par les fondamentaux. Donc un. Ok. Ouais, bah dimanche alors si ça te va. Cathy, transport automatique kinétique. T'emmènera dans le seau. Ah, c'est une sorte d'IA? Non, c'est le sar en fait. Refrigeration compartment. You need to load the brick trolley here. Until you load it here, Katie won't budge. Charge le chariot de brick, tu dois actionner le levier. Allumer le levier, celui-là. Ah, elle prend toute seule. Merci Cathy, adorable Cathy. TSR c'est temporal. MSAA c'est multi-sampling. TSR c'est un truc nouveau. Qui anti-aliase moins. Des trucs qui font pas changer la frame. Après c'est beaucoup plus net. D'accord. Bah tant mieux. Oh. You planning to spend the whole night on this? Ok. Pardon. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur?
Dans la station des girafes. Ah, faut que je choisisse. Let's go, on va chez les girafes. J'aime bien le style du jeu, il me plaît beaucoup. Dans ton style, je veux dire. Plutôt bien fait, un peu dégueu. J'aime bien. Il me sourit beaucoup trop, lui. So we're at the giraffe station. Now listen carefully, I won't repeat it twice. This is our mobile veterinary station. Station vétérinaire mobile, tu mélangeras des médicaments de nos animaux. Are they sick? Ils sont malades? We need to closely monitor the health of the animals. Surveiller de près la santé des animaux. So the thought of anything happening to them is out of the question. Mettre un peu plus fort mon micro. And we should all be safe for another day. Peut-être que je mette un petit compresseur là-dessus là. Petit compresseur là. Petit filtre. Et puis à combien je dois mettre le compresseur par contre? Compresseur, bim. Ratio. Pas trop. Seuil. Hop là. Follow me. Ah là 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 là. To collect feces for tests, you have to feed the animal's favorite food. Here's where you'll prepare it. Ah, faut que je le lis à une autre source, je suis bête. Attendez. Je mets un petit compresseur très vite, F là. Comme ça, bim. Voilà. Choose the recipe from the list. Cut, mix, and you're done. Any questions? Yes. Excellent. The zoo needs those who aren't afraid to ask. J'ai peut-être fait un ratio trop bas. En fait, ça change rien, je crois. All right, enough chit-chat. Oui, je crois que normalement, je l'ai mis. Non, mais sinon, c'est pas grave. Il faut que je commence le jeu un jour. Mais je pensais que j'ai... Enfin, normalement, je l'ai mis. Compresseur. J'ai peut-être mis le ratio trop léger. Va 10 en ratio. Go to the cutting table. Ça change rien. Bon, il y a un truc que j'ai loupé. Je l'ai mis sur le son de mon PC. C'est pas grave. Ah, j'ai loupé un truc. Longtemps que je l'ai pas fait ce truc, j'ai loupé. Ah, c'est le seuil. J'ai peut-être mis un seuil trop élevé. Ok, il y en a un léger, normalement. J'avais mis un seuil trop élevé. Ok. Regarde un MP, Timatsu. Raté. T'as mis 5 en ratio? Et seuil moins 29. Ah ouais? J'ai mis plus, moi. Excusez-moi la VOD. Excusez-moi, c'est parce que c'est pas mes scènes habituelles. Ratio, j'ai mis 10, moi. J'ai mis 33, je vais mettre 29. Comme toi. Je vais mettre 30. 33. Non, mais je vais essayer. C'est parce que c'est les réglages de quoi tu t'étonnes. Bah si, le ratio, j'imagine, de combien ça va baisser le son. 5, ça me semble pas beaucoup. Après, je sais pas le nom de l'unité, mais 5, ça me semble pas beaucoup. Non? Bah... C'est le seuil qui dit de combien ça baisse. C'est quoi la différence avec ce que j'ai dit? Interagir. Je vais voir les girafes. Appuyez sur le bouton cuisson pour préparer. Ah, faut préparer la cuisson? Don't make a mistake with the weight. The exact measurement is displayed on the weight indicator. Oh. Measure carefully. Ah, il faut couper, mais comment je sais? Là, j'ai 6 kilos. Excellent, Paul. In the pharmacy. Cut. Now do the same with the herbal brick from the recipe. Attends, j'ai pas fait. Mais j'ai pas coupé assez?
comment je sais de combien je coupe? Parce que je sais le poids total, mais c'est une estimation. Ça, c'est à peu près au milieu. J'ai fait 3,3 au lieu de 3,5. Puis sur le bouton acceptation. Ah ouais? Bah d'accord. Now activate the lever to lower the gadget trolley. Je sais pas, je découvre hein, les gars. Je découvre. J'ai pas joué au jeu et je me suis pas spoil le jeu. Mais oui, tu dois comme je disais, tu dois t'occuper des animaux. Donc aussi les nourrir. Apportez le chariot. Il est où? Ah, il est là. Ah, je peux l'apporter que de là. Ok, c'est Tipa. Mais elle est mignonne Kati, mais elle peut pas... Oh, il y a une bestiole bizarre. Je vais aller voir. Lâche. Oh, je peux pas lâcher. Je suis dégoûtée, je voulais aller voir. Bon, il était en scénarium, donc bien sûr, j'aurais rien vu. Mais je voulais quand même. Yes, Paul, our zoo is quite... Notre zoo est tout à fait unique, c'est notre fierté. Il ne va rien de tel dans d'autres... zoos, quoi. Alors pourquoi le zoo est-il fermé depuis 2 ans? Les gens disent que le zoo traverse une période difficile. Comment le saurais-je? Je suis qu'un homme simple qui pointe à l'entrée. J'ai pas lu. C'est l'entrée à l'enclosure. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure terminal and select open enclosure. Okay. Okay. Oh. Ah voilà, infection symptôme. Scars. Faudra que je fasse gaffe à ça. Bonne idée, Blair, pour tout. Infection symptôme. Zoocosis. C'est le nom du jeu, je connais. Anormal behavior seen in captive animals. Okay. Mais comment je sais que le comportement est anormal? Bon, peut-être quand il commence à s'entre-dévorer. Carte des symptômes. Beau, peau, Cléo. Ah, ils vont tous bien. C'est ça que ça veut dire? Avant de partir, assurez-vous que tous les symptômes ont été détectés. Température, bah son, j'imagine. Flotte. Et caca. Laisse en l'air que merci, Digivel, c'est gentil. Hey, coucou! Oh, elles sont déjà... Ah, déjà! Elles sont quand même jolies. Elles se rentrent l'une dans l'autre, mais elles sont jolies. Et dans combien de jeux tu peux voir des animaux comme ça? En vrai, en étant en vue FPS. C'est tellement rare. Oh, Po, il va pas bien, j'ai l'impression. Faut que je peux... Oui. Putain, faut flipper un peu. Je sais pas où je mets ça. Là-dedans. Putain. La pression que ça te met, les deux girafes qui suivent, là. Attendez. Je sais pas où je mets ça. Je mets pas au même le sol. En fait, tu fais story No Man's Sky. Mais No Man's Sky, c'est des bestioles trop bizarres. C'est pas du tout des girafes, hein. Tu vois juste des bestioles improbables. Et c'est rare que tu puisses les regarder en face plus de 2 secondes parce qu'elles bougent dans tous les sens. Parce que pour le moment dans No Man's Sky, j'ai très rarement vu des animaux s'arrêter de bouger. Donc moi j'ai déjà connu un jeu où on pouvait voir des girafes, des lions et tout ça de très près comme ça. En vue FPS, à part Planet Zoo, c'était un jeu qui s'appelait Safari je crois. Après, depuis le 3, voire le 2, j'ai un doute. On peut voir des animaux en vue FPS. Ouais, quelques-uns, et souvent ils ont envie de te casser la gueule. Perso, j'en ai fait que 2 des Far Cry. Bah, il y avait pas bien beaucoup d'animaux. Hein. J'ai fait le 5. Et suite d'après. C'est le 2 en Afrique, ok. Bah d'accord, faut citer un jeu qui a 20 ans, quoi. Mais y a pas v'là les animaux. Ben oui, non mais c'est ça. C'est... Mais bon. Si vous voulez, il y en a plein. Si vous le dites.
sais pas quoi faire avec ma truc. Y'a des milliards de jeux. Ah ouais, de ouf. Et puis dans ceux qui ont été cités, y'en a deux où c'est même pas du tout des animaux, c'est des aliens. Mais ouais, pas de soucis. Y'en a plein. Je sais pas où foutre ça par contre. Parce que j'ai déjà rempli la boue. Et je sais pas ce que c'est que j'ai dans les mains en fait. Q. Ah non. Ah oui. Ah. Je sais pas si j'ai bien fait la bonne étape. Remettre le seau dans le chariot. Ah, d'accord. Oh, il est où? Ah, voilà. D'accord. Mobile fecal extractor. Mobile de fesses. Terme plus simple, suceur de merde. Now we're going to suck it. Oh. I don't know. Why do we need all this? We need to oh, le nom horrible. The health of the animals. And taking excrement for tests is one of your key tasks. Ouais, d'accord, ça prélève des excréments. 100,000 a year, Paul. 100,000 fucking American dollars. You just have to collect the shit. Come 100 000 dollars par an, tu n'as juste qu'à récolter la merde. Je veux récolter la merde, moi. Je veux faire en sorte que les girafes elles aient un bel enclos. En mode Far Cry 2, il me paraît assez beau à l'époque, mais il date de quand Far Cry 2 aussi? Ça date pas mal. Aspirateur à merde. J'avais dit 20 ans, pas hyper loin, finalement. J'ai peut-être pas ramassé tous les cacas. Aspirer la matière fécale. Ah ouais. T'es pas une matière fécale, Po. Tu n'es pas une matière fécale. Ah là. Ah c'est bon. Il s'est tout fait. Ok, il te le dit. Ça c'est cool. Ensuite. Now take the TIS to avoid unnecessary questions. It's a thermal imaging system. Système d'imagerie, tu peux simplement appeler un imageur thermique. Déterminer la température corporelle des animaux. You. Ah, non. Le seat. Ah, c'est le truc de devant. Ah, c'est ça, d'accord. Il y en a une là-bas, elle va pas. Ah, mais elle est peut-être parce qu'elle est sous un chauffage. Il y en a une qui va pas de ouf, hein. Putain, faut que je déplace en permanence. En fait, il va absolument... Voilà. Contrôle celui-ci, je t'en supplie. Le contrôle ou c'est ou juste j'ai remarqué et c'est tout. Mesure la température, ouais en fait. Faut vraiment que je me mette là et que j'attende que ça mesure. C'est ça. 41. Ça semble pas dingue. Les vrais animaux ils bougent tout le temps. Dès que tu veux prendre la photo. C'est
sûr d'être obligé de le poser, faudrait juste pouvoir le mettre devant. Mais bon, c'est histoire que tu sois un peu bloqué, j'imagine. Mais je t'entends pas. Et toi, c'est comment ta température? Car... J'en mets dans le chariot. L'une des girafes se porte pas bien. Nous devons faire une fléchette de Temperalax. Médicament pour normaliser la température des animaux. Ah bon ? Faut que je quitte l'enclos ? Et comment je lui envoie ça alors ? In the terminal, you can check all the analyses you've collected in this enclosure. Il est pas photogénique. Ok. Je quitte l'emploi. Mais j'ai contrôlé que la température, hein. Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn. How do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about. Il n'y a pas lieu de s'étonner ici. J'ai à peine tenu 6 mois là-bas. Je me suis fait virer dès la première année. Pas de soucis, ça doit suffire pour mélanger quelques ingrédients selon la formule toute faite. D'accord. C'est y part. Une petite cave, la girafe, bah oui. Un petit 41. Petite cave. Comme QN en ce moment. Désolé. Mais c'est un peu vrai. Il est tout malade. Je suis à 38,2. Ah, quand même, hein. Pas mal, 38,2. Congratulations, Paul. You've just come closer to success and the well. T'as rapproché de la réussite et du bien-être de ta famille. Ah ouais. Va chercher la matière fécale détectée dans le récepteur. Transporte rien dans la voiture. Tout cela doit être stérile. N'oublie pas de mettre le suceur de merde à sa place. Oh là. Où tu m'as dit? Ah là. Une photo d'insectes. Ah mais parce qu'à un moment je devrais sûrement mettre des insectes. Enfin, je sais pas en fait. J'essaye de faire genre, je comprends. J'essaye. Et du coup maintenant je peux faire un levier, non? C'est peut-être depuis l'intérieur. Ah non. Hein? Non, maintenant je cherchais. Ah c'est qu'il avait disparu, j'avais même pas remarqué. Appuie sur le levier. Celui-là? Ils ont essayé de me faire peur. Pas du tout marché, j'avais même pas remarqué qu'ils étaient plus là. Excellent. Now this is our mobile vet station. To make Temperalax, you need to load the station with enough vials. I did it this time, but in the future you'll have to gather the vials. Je devrais rassembler des flacons. Attends, je devrais rassembler les flacons par moi-même pour préparer. Garde à l'esprit, tu aimes, il n'y a pas tant de. J'ai pas eu le temps de dire. J'espère que je vais trouver. C'est juste le son qui m'a fait peur. Bah heureusement que le son était là pour me faire comprendre que à Temperalax, il m'a dit. C'est ça, hein? Ouais. Pour me faire comprendre que c'est un petit screamer, quoi. Mini, mais. Faut que tu vas avoir peur. Mais j'aime bien, moi, tu dois m'occuper des animaux. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Si, je fais peur. En plus de faire, en fait. Tu m'as dit quoi? Je t'écoutais pas. Prendre la fléchette dans les distributeurs de fléchettes. Elle est où, les distributeurs de fléchettes? Ah, c'est ça. Cool, you've got Temperalax. Maintenant charge-le dans le pistolet vétérinaire, il est où? Good. Now the only thing left is to dart the sick giraffe. Ah mais faut pas que je rate alors, j'en ai qu'une, hein. Tire sur la girafe. Là j'y vais là. Ouais. The sick giraffe, Paul. Be careful. Ah c'est Po. Oh, faut que je retienne le nom de celle qui est malade. D'accord. Heureusement qu'il m'a redit que c'était Po parce que j'avais oublié. Ah c'est écrit là. Bon ça va.
Attends, c'est qui? J'ai tellement tremblé. Je pensais pas qu'il y avait un effet chelou, quoi. Voilà, que la sensi elle allait être accentuée. Ça a marché? Oh, la sensi est tellement accentuée. Oh voilà. Oh. Des os. C'est quoi ça? Affiche. Ah, je la vois pas du tout. Heureusement que j'ai mis le gamma hyper élevé. Bon, tant pis. Symptômes de l'affection. Mucu. C'est bon. So everything went smoothly? Seems like it. I did this for the first time. C'est pour la première fois, j'espère que ça ira mieux. Bah ouais. Well, don't doubt that. We need to get back to the hub. OK. Ça va, pour le moment, c'est tranquille. Et du coup, après j'aurai plus en plus d'animaux à m'occuper, ça j'aime bien en vrai. C'est cool. Moi, ça va. J'ai un jour où je m'occupe des bébêtes. C'est cool. Oh, on arrive à la 10e heure de live. Voilà. C'est pas mal. Oh mince, il y a le tap. Je voulais virer ça. J'ai une fenêtre qui tourne là. Hop là. Let's go, Walt. Escort me to the exit. Accompagne-moi jusqu'à sortie. Alone with our lovely zoo facilities. À tout prix, c'est pardon. J'ai juste le tap, tout va bien. Welcome to the zoo. Oh, le gorille. Pouf. Ah ben non mais y a j'imagine une histoire hein. Donc j'arrête quand pas la fin de l'histoire ou de la mission, je pense. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Je veux dire que tu restes ici pour la nuit. N'oublie pas que je t'enfermerai jusqu'au matin. I think she'll figure it out. Je pense qu'elle va comprendre et rentrer chez elle bientôt. Good luck, Paul. Don't mess up. Ah, je parle de ton stream. Ouais, quand j'ai envie. Je voulais faire un peu la nuit en tout cas, pour que les gens aient quelque chose à regarder la nuit. Au revoir ta femme, mais je peux même pas la prévenir, c'est horrible. Elle avait pas du tout l'air d'être ma femme. J'ai cru voir un vieux gars de... Oui ? Paul, you entered here who knows how long ago. Tu es entré ici, je sais pas combien de temps, tu ne réponds pas aux appels, je suis inquiète. Oh, désolé chérie. Lily, sweetheart, sorry, didn't hear you right away. Everything's okay. They put me on. Ils m'ont mis à laisser, mais je vais commencer immédiatement. Tu devrais rentrer chez toi. I'll be back in the morning and tell you everything. Tu reviendras dans la matinée, je te raconterai. Je les ai vus t'enfermer, c'est pas normal, mais oui. C'est juste le protocole. Ils m'ont pris mon téléphone. C'est horrible. Ils m'ont fait signer un accord de confidentialité. Tout ce que j'ai à faire, c'est nourrir soigner les animaux. Je veux que mes filles mangent enfin de la nourriture normale. Je reviens tout de suite, ne t'éloigne pas. Ah, je peux donner de la viande à Lily? Je donnerai pas la viande d'ici, moi. Elle est où la viande? Je vais te donner ma viande, moi. Je te dis, Phoebe, ils font tout pareil. C'est-à-dire que normalement, ils te gardent pas pour la nuit, quoi. Quand même. Elle est où la viande? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a plein de viande ici. Si, alors. Une briquette de viande. Oui, c'est des briquettes. Donc c'est là-bas. Je le reconnais. Faut que j'ouvre cette porte.
Vesta a bien le projet de faire dormir ses employés sur place pour booster la productivité. Putain, quel cauchemar. Non, mais il y a déjà eu des délires comme ça, hein. Des villes aussi, des entreprises qui construisent des sortes de villes où en fait l'employé ne sort jamais vraiment de l'entreprise du coup. Mais c'est suffisamment moderne et tout pour que tu aies l'impression simplement d'être chez toi. T'as aussi ce délire là. Ah! Mais je sais pas où est la viande, je comprends pas. Ah, c'est ici peut-être. Bah non. Alors chérie, je suis désolée. Ah, mais c'est ici, mais comment je pouvais deviner? Ah, mais non, mais c'est pas du tout ici, en fait. Peut-être là-dedans alors. On appelle cette ville Paris. Ah, Paris. Paris, personne peut avoir le luxe d'y vivre. Hein. Ouais. Paris, c'est même tout l'inverse. Hein. T'es obligé de te taper souvent des kilomètres quand tu bosses à Paris parce que tu bosses. Parce que tu vas pas loger dans Paris. Je pense que c'est tout le contraire. Bah, je sais pas où lui trouver sa briquette de viande. À ma femme. Désolée, ma femme. Tu vas manger des légumes. Il y a personne, hein. Il y a pas ma femme du tout. Emmenez le chariot. Ah, faut que j'emmène le chariot. Mais faut... Du coup, faut que je fasse ça. Ah ouais, putain, merci. Et dans mon slip. Je vais t'en donner de la viande, mais ce sera pas celle-là. Ah non, non, vegetable. Mais c'est chiant d'être obligé de faire tout ça, juste pour chercher une briquette de viande. Enfin, une briquette. Petite briquette, quoi. Ah oui, d'accord. Meat. C'est bon, j'ai ta viande. Lily, are you here? Yeah. Take this. Give Gina a kiss from Daddy. It's time for me to work. Il est temps pour moi de travailler. Bon bah, bon courage. Bon app. Il a même pas regardé la gueule de la viande. Vérifier l'enclos, nourrir les animaux, collecter les analyses, mesurer température, le son. Soumettre le sang pour les analyses. Et ben on y va. Mais comment je sais ce qu'il lui faut comme bouffe à l'animal? Je vais aller où là? Ah non, non, je déconne. Non, c'est bon. Parce que bah, je sais pas. Je sais où je dois aller ou pas? Cuisine. Ah, mais c'est qu'ils sont déjà nourris, c'est ça? Attends. Ingrédients, il faut. Ça c'est quoi? Le chariot de briquette n'est pas connecté. Ingrédients insuffisants. Comment je sais quel animal je dois nourrir? Bah j'étais sur mon PDA. C'est ça mon PDA. Local de la station girafe. Gorille pingouin. Faut que je fasse gorille et pingouin, c'est ça? Vérifier l'enclos. L'enclos suivant. Mais comment je sais lequel est l'enclos suivant? Ils sont mignons. Bah on va dire... dire gorille. Faut de l'herbe et des légumes. J'en ai pas assez. D'accord. Ok. Ils auraient pu dire faire l'enclos suivant, deux points, et mettre si c'est gorille ou autre chose. Parce que là, bon, j'y vais un peu au pif, quoi. Ah oui, j'ai qu'un kilo 5. Merde. Pardon. Pardon, 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 je suis lente. Fish. C'était des vegetables qu'il fallait plus.
J'espère que c'est la bonne étape, hein. Gorille. Préparé. Parfait. Il faut un kilo ? Alors ça c'est la moitié. Donc ce serait comme ça genre. C'est pas mal, je suis bien. Accepté. Comment ça a passé de légumes? Mais je comprends rien. Bah je comprends rien, il me dit que j'ai pas assez. De 50% légumes. Mais c'est bon non? Ah bon? Ah c'est qu'ils ont pas assez eux. C'est ça qui leur manque? Je comprends pas. Si tu veux en refaire encore, bah je sais pas. C'est quoi la question? Mais je crois que j'avais découpé parfaitement ce qu'il me demande. Eh c'est pas clair hein. Non mais c'est, en fait c'est pas une nourriture pour gorille, il me faut des légumes et de la pelouse, de l'herbe. Et du coup j'ai découpé ce qu'ils m'ont dit exactement en pelouse et en légumes. Tu penses que c'est bon pour la nourriture? Ah ouais, mais il me dit que pourtant j'en ai pas assez. Déficitaire, je comprends. Bon bah je vais checker alors. Hein. Je comprends pas, il s'est bientôt passé dans un chariot. Oui, mais pourquoi il me dit que j'en ai pas assez? Le seau est plein, ça dit. Bon, on va voir, écoutez. On va voir. Ouais, il y a un côté wargame, mais moi j'aime bien. Sachant que j'ai jeux d'horreur où tu fais rien à part fuir ou tirer. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. En tout cas, ça m'intéresse un peu plus. D'avoir un peu de gestion et tout dans un jeu d'horreur, je trouve ça cool. Un peu de gestion simulation. Heureusement que j'ai mis la luminosité à fond. Alors c'est de l'extérieur. On va voir. Hein. Bon, on va voir si ça suffit. Si les ours vont me péter la gueule, c'est que ça suffit pas. Voilà. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Merde. Je peux pas passer. Attends. Un téléphone qui sonne. Night zookeeper, Paul Connolly. Oh, thank God, finally. Ne raccrochez pas au nez. J'essaie de joindre mon mari toute la journée. He's a scientist, Clarence J. Summers. C'est un chercheur. Clarence J. Summers. On l'appelle TJ. I'm sorry, ma'am. I'm here alone. Please check for me. Je suis seule. She should be in the lab. Is there a lab here? Un laboratoire ici? Oh, I understand. You're new. Then one last une dernière demande. Regardez dans le casier de la salle de repos. Code 1768. Ma'am.
This doesn't feel 1, 7, 6, 8. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker, that's all. I'll call back. Ah merci, j'ai vu que je l'ai pas vu affiché sur le coup, j'attends. C'est quoi déjà? Je viens de voir quelque chose d'horrible, j'ai tiré une fléchette mortelle. Mais une seule n'était pas suffisante, il a fallu environ 30 millilitres. Mais ça a marché. Putain, ça a marché, je suis vivant. Je ne sais pas si je dois aider cette femme, j'ai déjà essayé assez de problèmes comme ça, Madame Summers. Bonne nourriture. Je dois donner de la viande à ma femme. Cela fait presque un an que nous mangeons que des plats préparés. C'est terrible pour notre petite Gina. Mais c'est moi ça? Ah oui. C'est moi. Ok. Du coup, il se demande s'il doit aider la femme. Écoutez, je prends ces trucs-là, hein. Moi je sais pas trop quoi ce soit, mais je prends. Si j'ai pas de limitation de stock. Alors elle m'a dit, il y a salle de repos. Mais c'est pas ici, il y a salle de repos, faudrait que j'attende de rentrer. C'est là où j'étais tout à l'heure et où j'ai vu les casiers. Comment tirer les animaux peuvent voir que je vise. Je dois les approcher par derrière. Ok. Bah j'imagine que le coup de la salle de repos ce sera plus tard du coup. Elle me demande ça pour plus tard. Parce que c'est pas ici, il n'y a pas de salle de repos ici. Je vais pas rentrer maintenant. Peut-être faire ça plus tard. Alors moi je fais ma mission déjà. Un truc secondaire peut-être, semblerait-il. Non. Pas cela, c'est des connards et ça joue pas. Merci Lavino pour le raid qui fait plaisir. Et qui soutient, merci beaucoup Salut Geloutre. Oh le Vinou qui était sur Valo. Oh Vinou, j'ai un donation goal qui a été atteint sur Valorant. Va peut-être falloir que tu m'aides et toi et Gilo. Tu nous aides avec Aurel. Double alerte encore? Encore? Comment ça, il y a eu plusieurs fois double alerte? Ah bon? Comment ça encore? Double alerte? Oh, je sais pas pourquoi. Il veut le dernier raid aussi. Ah mais j'ai pas vu, je savais pas. Ça va le Vinou? C'est bien passé sur Valolo. Bienvenue dans l'enclos des gorilles. Dexter, Pepper, Thor et Chief. Ah oui, je suis vraiment translucide par contre. Peut-être me mettre un petit peu moins translucide. Un petit peu moins. Un peu moins, quoi. Voilà, là, je le suis un petit peu. Mais pas trop. Ça passe. Et ben, on va contrôler tout ça. Du coup, je vous nourris d'abord, c'est ça? Oh, oh la tronche de l'enclos, j'adore. Ah, ce côté zoo maudit, j'aime. Enfin, zoo. Ouh! Zoo creepy, j'adore. On a tout gagné. Ça semble honnête, je vous crois. C'est là-bas. Faut que je remette ça à l'intérieur. Que je contrôle du coup. Non. Ah bah si, faut que je fasse ça aussi. Mince. Attends. Voilà. Non mais c'est chiant. Vu que c'est la même touche, c'est un peu chiant. Faut
que j'ai ramassé caca. Par contre, je sais pas comment contrôler certains problèmes qu'ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont appris que à contrôler la température des bestioles. Ah, tâche terminée déjà, ça c'est bien. Avec ce petit bruit d'aspiration là. Salut Vianney. Matière fécale. Je vais mettre la matière fécale. Est-ce que j'ai tout récolté? Ah, il a pas l'air de me dire si j'ai tout récolté. J'ai l'impression. Donc on va y aller comme ça. Et puis voilà. Hop. Ah, lampe de poche UV, sites et pistolet fléchette. Bon, je vais voir ça. Du coup, ça c'est la température, on connaît. Fort. Oh, ils sont trop hot, non? Ils sont beaucoup trop hot, les gorilles, là. Ils étaient 3, c'est ça? Ou 4? J'étais oublié. Dexter. 4. Ah. Est-ce que c'est la température normale? Bah, il y a eu tout de suite le truc guérir les animaux qui s'est activé. Donc je pense que c'est pas la température normale. Ah, j'ai entendu un bruit ici. Attends. Bah lui, j'ai déjà contrôlé lui. Oui. Ah, Pepper, ça va. Ok, et du coup en bas ils sont deux, il y en a un des deux que j'ai pas contrôlé. Ah, mais ils sont peut-être tous là-haut du coup. Celui 44, je pense qu'il va pas. Bien. Dexter, Thor. Pepper, non, on a que 3, non? Je vais vérifier. Lequel qui manque? Je l'ai pas vu. You. Ah, il est là. Thor dort à Thor. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ensuite, c'est quoi ça? Je suis censée contrôler d'autres trucs? Mesurer le son. Comment je mesure le son? Ça, là? Ça a l'air d'être un truc de mesurage de son, ça. Parce que ça signifie 140, mais c'est plus que l'autre. Ça a l'air inquiétant. Ok. T'as même une option pour caresser? C'est vrai? Attends, j'ai pas vu. Caresser un animal pour la première fois, j'ai eu le succès. Oh, coucou, grosse boule. Ça va aller, ça va aller. Lampe de poche. Le sang.
Soumettre le sang pour analyse. Comment je fais ça? Comment je chope du sang? Ah! Moi, je vois pas de sang. J'espère qu'ils sont pas trop pressés. Ils ont pas fait un tuto complet, du coup j'ai aucune idée de ce que je dois faire là. Pour l'extraire? Bah ouais, mais il m'a pas dit comment. Alors je me suis dit bah c'est peut-être qu'il faut trouver une trace de sang vu que tous les outils sont là. La fléchette. C'est quoi ça? Ah, seringue! Partons. Bisous. Bah, je peux pas. Faut que je les endorme. Picoussage du cul. Alors pour ceux qui arrivent, on est sur une découverte d'un jeu d'horreur où on s'occupe d'animaux qui ont des maladies bizarres. Ah mais ils me disent rien le jeu. C'est relou. Faut que j'analyse le caca, faut que j'analyse le sang. Donc gros, il défonce. Bah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je fabrique les tranquillisants. Ouais, c'est peut-être ça. Ok. Bon, bah on va faire ça alors. Mais entre temps... ils te font un tuto, tu prends juste la température. Bah ouais, c'est abusé de me demander tout ça. Il va forcément se passer des dingueries du coup. Oh, peut-être tu le caresses avant. Vas-y, je vais essayer. Ah, c'est pas con, c'est pas con. Attends, j'essaye. Petite caresse là. J'espère que le temps il est pas limité hein. Faut peut-être skipper le sang. Bah, le truc c'est qu'il me demande dans le tab. Collecter les analyses et guérir les animaux. Peut-être que sinon je peux pas bien le guérir parce que j'ai pas toutes les analyses. Bon, on va quitter, on va essayer de... Et du coup, une seule prise de... Bah non, il me faut deux tranquillisants en fait. Dommage, il n'y a pas beaucoup de touches sur un clavier pour dissocier le fait de ramasser un objet du fait d'interagir avec un chariot. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de touches sur un clavier pour ça. Le truc contre la fièvre plutôt. Mais ouais, mais pour récolter le sang, ça se trouve c'est autre chose. Enfin tu vois, il me demande de récolter le sang. Imagine, il y avait plus de deux touches. Imaginez genre un monde où sur un clavier il y aurait plus de deux touches. Heureusement qu'on a inventé la manette. Collecteur de sang. Déposé. C'est un peu con.
tranquillisant. J'en ai fait deux. J'ai envoyé un colis avec des flacons de subsistance active, je pense que tu te les trouveras utile. Tu te trouveras dans la boîte à colis. Hein? Tu es où la boîte à colis? Mais je suis vraiment censé savoir de quoi tu parles? Je vais péter un plomb. Ah ouais mais attends, je suis obligée de prendre ça en fait. Deux seront suffisantes? Bah endormir les deux qui sont malades. Moi je vois ça comme ça. Les deux qui ont de la fièvre. On va se partir les quatre? Je sais pas. Teste avec deux. Je sais pas. Allez, je peux aller faire d'autres, hein, j'avoue. Au moins, ce sera pas en trop. Je vais endormir pour la prise de sang. Mais sinon, je vois pas comment la faire, Kato. J'aimerais bien ne pas avoir besoin, hein. Mais j'essaye de déduire, quoi. Le jeu, il me dit pas. Le jeu, il me demande de faire une prise de sang, je peux pas. Ah, ou alors peut-être... Allez, bah non. Bah ouais, tuto, il a rien dit. Ok, il va pas bien. Ah, les deux en bas, ils vont bien. Nickel, du coup, je vais me taper de la route. Attends, je peux peut-être prendre plusieurs objets. Si je fais ça et que je fais genre ça. Voilà. Ah bah. Allez, là je peux plus. Est-ce qu'il faut que je fasse les autres? Y a pas besoin, vas-y, je passe du principe que non, y a pas besoin. Allez, vas-y. Mais je peux mettre tous les trucs où je veux en fait. Je savais pas. On va voir, hein. J'aimerais bien que ça suffise quand même. Moi je dis les autres, j'ai pas besoin de contrôler leur sang. Ah, c'est pas clair, hein. J'aurais bien aimé un tuto un peu plus complet. Qui me fasse faire bah, toutes les étapes des animaux et pas juste une. Parce que là, bah en fait, vraiment, c'est de l'impro quoi. Prends bien la merde à tous. Bah ça nettoie l'enclos. Mais ah oui, j'aurais tendance à penser comme toi, ouais.
Moi j'ai pas encore soigné malade mais j'aurais pas besoin du chariot. Et du coup, diagnostic. Ah voilà. Ouais, ouais, vous avez raison. Ouais. Alors. Mais faut que je sois des animaux, je pense que les deux autres sont pas malades. Voilà. S'il y a et température et sang, c'est l'Ehrlichia muris. Et l'Ehrlichia muris... Ouais, parce qu'il y a... Il y a rien qui fait que... Ah si, peut-être... Si pour soigner, tu le prends où? Ben je prends sur le chariot et je l'emmène. Tout simplement. Une espèce de bactérie, hein. Ok. Ah non, on a plusieurs. Ah oui, non, mais voilà, c'est cela. Ehrlichia muris. Ehrlivax. Ça, hein. Ouais. Il me faut deux doses. Ok. J'impro. Hein. Et du coup, il est où? Il est là. Ah non, c'est un tranquillisant. Fuck. Attends, R ou M3, c'est quoi N3, M3? Ah, ah voilà. J'ai rien dit, c'est bon. Je commence à être tendu. Ok, c'est ok, tiens. C'est qui est malade? J'ai oublié. Attends. Je crois que c'est Thor, mais je vois. Thor et Dexter. Thor et Dexter. Ok. Non, il y avait aussi la température. Vérifier l'enclos suivant. Ouais, bah deux secondes. Hein. Deux secondes. Bon, on va rentrer, ok. GG. Ouais, j'ai carré tous les animaux. Bon. Bon, je pense qu'en vrai, il faut que je contrôle tout. Ça va être long, mais il faut avoir le coup de main. Quoi? Night zookeeper, Paul Connolly. I'm sorry, ma'am. I have not a chance to look around yet. J'ai eu l'occasion de regarder autour de moi. Qu'est-ce qui se passe avec madame? Oh, ben oui. Pourquoi tu parles déjà? Looking for someone named CJ. Elle cherche un certain CJ. Elle cherche son mari. Ah, encore c'est... D'accord. Genre le gars soi-disant il ment à sa femme et c'est pour ça après les meufs elles appellent pour savoir où il est. Bientôt une livraison de nourriture. Tu dois acheter de la viande fraîche. Ok. Excellent. I'll call you later. Bon, moi je veux voir ce qui se passe. C'est intéressant mais effectivement j'attends de voir le côté vraiment horreur. Pour le moment c'est que creepy. Même si l'ambiance, honnêtement, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Ça marche bien ces ambiances-là sur moi. Parce que c'est... Oh, je vais pas bien. What? Donc moi aussi je suis infectée en fait. En fait, ce qui se passe. Je vais poser ça et je vais m'en aller. La piémontaise de la cafette.
l'impression que tu as skippé un enclos. Non, non, parce que ça cochait en même temps. C'est juste que là, je dois déjà faire le tuto suivant. Et j'ai fait en fait celui... J'ai dû faire celui-là parce que l'autre, c'est un enclos où il fallait de la viande, des produits que j'avais pas, ou des poissons, je sais plus. On va sortir un mille pattes du cul, ouais. Mille pattes du cul, où es-tu? C'est quoi ça? Ah, j'ai un colis, c'est vrai. Le man sans taille pattes du cul. Go fléchette dans le nez pour te faire une prise de sang. What? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça le filtre à nudité. Samedi soir. Je ne juge pas. Quoi en... Hello? Damn. I mean, night zookeeper Paul Connolly. Don't worry, Paul. T'inquiète pas, c'est encore moi. Quand ça se passe, t'as besoin d'explications? Il a donné ça comme viande à sa femme. Oh, I definitely do. C'est sûr, je pensais que t'avais du bœuf, ou je sais pas quoi, de l'agneau au frigo. Et un cochon à long cou. Des dizaines de parasites se répandent chaque jour à partir de la mer. De quoi? Ils s'infiltrent dans nos animaux et se transforment en... comment dire? Ils vivent en monstres. Ils ont des goûts spécifiques, ils ont besoin de viande. Qu'est-ce que c'est que cette mère? Relax. Elle est bien enfermée. Oh, ça va être l'animal ultime. On ne sait pas grand-chose d'elle, alors on l'étudie. Oublie tout ça. Je connais tes tâches. T'inquiète pas pour le reste. Fuck. I gave a piece of meat to my wife. You did what? J'ai donné cette viande à ma femme. Sorry, Paul. Désolé, mais t'es vraiment ridicule. La vie te donne une chance de devenir une personne digne et aisée. Tu choisis la voie de la facilité. Tu choisis la nourriture surtout. Descends jusqu'au simple vol. Il n'y aura plus d'indulgence. Ils diront de broyer les corps, tu bois. Ils diront de tuer, tu tues. Dis-moi où est mon téléphone. Je vais appeler Lily. Peut-être qu'elle et Gina n'ont pas encore mangé. Je le permettrai pas, mon pote. Si t'appelles ta femme, ce sera une violation directe de l'accord de confidentialité. Enfuis-toi, mec! Pète une fenêtre! On va assumer pleinement la conséquence de ton méfait. Avoir volé un steak. C'est plutôt toi le méfait, hein. Sans vouloir... voilà. C'est quand même pas mal toi le méfait. Ta mère le méfait, même. Alors... Allez que j'ouvre. Allez que j'ouvre. Ah ça va, j'ai pas besoin de le faire, j'avais déjà oublié. Je savais qu'il y avait 1, 7 et 6, mais je savais plus dans quel ordre. Le 8, j'avais oublié. J'ai vraiment dodo. Des bisous, petit tenté. Des bisous, des bisous. Il y aura une VOD, vous inquiétez pas. J'ai donné accès aux recettes des spécimens infectés dans la cuisine. Nourrissons-les. Tester des médicaments expérimentaux sur des spécimens mutants. Ils ne fonctionnent pas pendant la phase de frustration. Le processus pathologique de division cellulaire doit être achevé et en d'autres termes, l'organisme doit subir une mutation complète. L'accès aux médicaments expérimentaux se trouve à la station vétérinaire. J'ai rien compris. Surveiller le comportement de l'animal lors de bruits forts. Si l'animal a peur, c'est un signe de maladie. Ah, d'accord. Bien. Préparer la viande, nourrir l'animal infecté. Eh ben, dis donc. On a quand même un personnage qui a une sacrée résilience. Hein, c'est... Bon, bah d'accord, je fais. Je vais pas m'enfuir en courant, apparemment. Ce qui pourtant est la décision la plus logique. Je ne veux pas le faire. Oh, elle est vivante! Putain, elle est vivante! Elle n'est même pas morte! Je pensais qu'elle était morte! Putain, elle est vivante! Hello? Night zookeeper, Paul Connolly. Why so grim? Problems? Pourquoi est-elle déprime? Des problèmes? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai failli jeter une fille vivante dans le broyeur. J'ai presque jeté une fille vivante dans le grinder. Où est-elle venue? D'où elle vient? Eh bien, 20 minutes de guille machin, et elle est toujours là. Heureusement, ce problème est facile à résoudre. Tire le levier, la fille se transforme en deux briques, comme tu as déjà fait auparavant.
sais bien que cet endroit n'était pas propre. Mais pourquoi autrement? Hein? Pourquoi sinon des sommes importantes? Je peux broyer quelques cadavres, mais pas m'impliquer dans un crime pour machin. Ah! J'y suis infecté. Who do you think I am, a desperate housewife? No, Paul, I infected you. And by the way, I did it for your own good. You see dozens of parasites spread out of the mother every day. Jour, hors de la mer, et s'infiltrent dans les animaux. Bah non, je le vois pas. Tu vois des douzaines. Ouais. Well, let's say they mutate. Ils mutent. What the hell is this damn mother? Qu'est-ce que c'est que cette foutue mère? On ne sait pas grand-chose d'elle, alors on l'étudie. Mais pour l'instant, je peux t'en lire. Si tu te comportes bien, si tu te comportes bien, ils te l'enlèveront. Et sinon, qui sait? Peut-être que ce sera pire pour Gina et Machine là. Bref, en gros, ça va mal se passer pour ma femme et ma fille si je fais pas ça. T'aurais dû t'enfuir en courant, mec. Hein. T'es vraiment. Il y a du caca. Vraiment idiot. Je vais essayer de la libérer. Interagir. Non, non, je veux pas interagir là. Je peux peut-être interagir là. Ah. Non, 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 non. Ah voilà, aide-la. Il va l'aider. Je l'aide. Tâche échouée. Bah je m'en fous hein. J'ai libéré une dame. Une dame toute nue et je risque de me faire ban. Mais une dame quand même. Si c'était enfui ce paradis, t'aurais pu fuir le confinement et ravager le monde. Ouais bah ça c'est pas ma faute hein. Je vais te chercher un tissu. Bon, j'ai pas de tissu. Mais bon, il y a une salopette dans un truc. Elle pourra s'habiller quand elle se réveillera. J'ai échoué la task. Du coup, il va se passer quoi? Préparer la viande, nourrir l'animal infecté. Ah, mais j'ai plus de viande du coup. Ah bah ouais, j'avais pas pensé à ça. Non, mais on va trouver. On va trouver. Moi je tue pas la dame, elle est vivante. Elle broyait un cadavre. Bon. Et il sera. Voilà, ce sera pas pire pour lui. Ouais alors quand même. T'es un gamin, guide. Voilà. Nourrir l'animal infecté. Mais c'est lequel animal infecté? Parce que j'en ai aucune idée, parce que tu me dis rien le jeu en fait. Tu me dis rien. Je suis déçue, on n'a pas vu la broyeuse, mais je pense qu'on la verra. Mais là, elle était vivante. Alors, je voulais voir si je pouvais la sauver. Bon, j'ai pu. Par contre, je vais avoir des problèmes. Je crois. C'est possible. Sérieux, la briquette n'est pas connectée. Mais j'aimerais bien savoir quel est le prochain enclos des animaux. Parce que j'avais pingouin. Mais j'ai pas de poisson pour le pingouin. Walibi? Comment tu sais que je suis au Walibi? Parce qu'il me dit l'animal suivant, mais il me dit pas local. J'ai accès aux pingouins et ça. Je m'appelle le Zanto. Ah mais là par exemple, les accès. J'ai pingouin, j'ai gorille, j'ai girafe. Attends. Celui que tu as skippé pour aller au gorille. Et je le vois même pas dans mes accès. Attends. Je vais vite faire regarder. Bon c'est chiant d'être obligé de faire ça à chaque fois pour pouvoir regarder.
Voilà, et là je peux regarder. Là j'ai hop, j'ai girafe. Ah oui. Ah oui, il y a Walibi. Effectivement. Eh ben on va voir alors. On va aller au Walibi. Un peu compliqué. Bah disons qu'il y a des trucs inutilement fastidieux, ouais. Je comprends pas trop l'intérêt. Walibi, Walibi, Walibi. Il me faut un peu plus d'herbe. Ingrédients insuffisants, ça paraît. Il me faut juste de l'herbe, c'est ça? Il en manque juste de l'herbe, donc je peux aller... Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense, hein. Ok. Mais pourtant, j'ai de l'herbe sur moi. Là, il y a de l'herbe. Hein. Pourquoi ça marche pas? Wally Bibi, j'en suis baba. C'est quoi Wally Bibi, j'en suis baba? Ah, c'est pas un parc d'attractions, un truc comme ça. Pub du parc d'attractions, ok. Aucune idée de si ça existe encore. Aucune idée. Faut découper 2 kilos. Fais mal au compas dans l'œil. Un kilo. Accepté. Ok, on va à Walibi. On va voir les Walibi. Hollande, Belgique, Rhône-Alpes et Walligator Sud-Ouest. Walligator ? Pardon, pardon. C'est peut-être une ferme à alligator. Ok. Eh ben, bah non, si, hein. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Il me faudra peut-être du tranquillisant aussi. Bah du coup, s'ils dorment, faudra que j'en profite pour faire des prises de sang. Maintenant, je le sais. Voilà. Madame va se réveiller nue dans un endroit bien creepy. J'avais pas d'interaction. Il t'en restait un, ouais, je me dis deux. Ce sera pas, tu vois, ce sera pas perdu. J'aime bien parce que j'y vais comme ça, alors que j'ai absolument aucune idée de l'endroit où je vais. Let's go. Ça a l'air pas mal. Ok, des petits, y a du petit stockage partout. Salut. Qui se retourne, la viande peut les calmer. Ah. D'accord, mais j'ai le Walibi mange pas de viande. Mange de l'herbe. Tester un tranquille si la dame est dangereuse. J'ai enfin trouvé un moyen de guérir ce satané mutant avec les médicaments expérimentaux. J'ai trouvé l'accès du pilier de CJ. On dirait que c'est un type important ici. J'ai injecté au mutant du Toxicus feralis. Et cette merde a vraiment marché. Excellente nouvelle. En fait, il semblerait que les mutants puissent imiter différentes maladies. Bah, c'est super pratique.
Du coup, c'est nickel. C'est-à-dire que même les symptômes, ils vont pas me servir. Non, attends. Une fois transformé, ils ont mangé de la viande probablement. C'était ça, ouais. Ok, ils sont combien? Les petits Wally Bibi. Penny, Sally, Amy, Wally. Ok. C'est hyper les bébous. Mais qu'est-ce qu'on attend? Coucou! Comment ça va? Ah ouais! Oh, ça se marave! À peine arrivé! Me maravez pas! Ah ouais! C'est si grand que ça? C'est pas des. J'entends un bruit bizarre derrière moi. Les Walibi, c'est pas plus petit normalement? Ils me semblent balèzes. Ils sont gros pour des Walibi, bah ouais. C'est pas des... Ah je sais pas, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte la taille des Walibi, j'avoue. Ok. Alors. Non. Je vais tout de suite prendre le truc à, voilà, à 100 et ça. Et si à un moment j'en vois dormir, bah j'utilise tout de suite. Ah bah voilà. Fais dodo. Voilà, comme ça au moins j'aurai pas à utiliser trop tranquillisant. Ah, presque... Ouais, ouais, non, si c'est petit quand même. Là, ils me paraissent gros, là. Les machins, ils font plus d'un mètre... Ils font plus d'un mètre. Ouais, eux, ça se fait plus kangourou, mais limite, ils sont peut-être même... Non, ils sont immenses. Non, ils sont immenses. Immenses, hein. Ah, quand ils sont posés, je peux... Là, je termine. Ah bon. Ah, il me faut que deux prises de sang, ça suffit? Attends. Il me dit tâche terminée. Attends. À nourrir les animaux, c'est qu'ils ont tous mangé. J'espère que j'ai pas que il me préviendra si j'ai déjà collecté les analyses. Ah, je sais pas en fait. Ça se trouve, je vais faire 15 fois la même bestiole. Je viens d'y penser. Penny, j'ai déjà fait, non? Oh, il est infecté lui. C'est vrai. Donc j'ai pas fait Penny. Walibi, c'est l'équivalent du kangourou qui est le poney au cheval. Ouais, là c'est complètement des kangourous. Ouais. Effectivement. Amy, j'ai déjà. Il me manque... Wally. Non. Il me manque Penny. Penny, Wally, Amy. Sally, il me manque Sally. Ah. Ok, on peut se démerder pour faire la prise de sang sans avoir à endormir, c'est bien.
pas sûre d'avoir récolté assez de caca, moi. On a récolté 3. Il en faut 4. Bon, après, en général, j'imagine qu'ils ont tous la même maladie. Il n'y a pas deux traitements différents. Parce que là, je les vois vomir et s'énerver. Je pense qu'ils sont pas trop dans le bien. Je vais aller chercher les autres trucs. Je garde le collecteur au cas où. Collecteur à crotte. Attendez. No. Je l'entends gerber à côté de moi. J'ai fait toi. Non, je l'avais pas fait. Ok. Où le dernier? Bon, la température ça va. Ah, ici. Ok. Allez, le dernier. Please. Ça va. Tâche terminée. C'est long. Ils sont en train de tellement bégère, ils vont me tuer. Et là, ce sera bon. On aura tout contrôlé. Ah, ça a l'air d'aller le son. Je sais pas à quoi sert la lampe UV, j'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est leur bruit horrible! Guérir les animaux! J'y peux rien, ça fait un bruit horrible! C'est pas ma faute, c'est eux! C'est eux le problème, c'est pas moi! Allez! Ah oui, pardon. Il y aura peut-être d'autres types de fluide. Quelle erreur avec ça. Ah, c'est dur là. Ah oui, je fais ça déjà. Faut prendre le caca. Tu repères plus vite le caca avec du UV ? Peut-être, j'avoue. Ah, peut-être. C'est possible. Allez, j'enchaîne. Je fais ça, bim. Voilà, ensuite je fais ça. C'est un jeu intéressant, mais j'aurais bien aimé voir une créature chelou avant, j'avoue. Pour le moment, on n'en voit pas trop. Mais j'aime bien le fait de m'occuper des bestioles, j'avoue. C'est un peu un jeu du travail creepy, ouais, et du coup, ça va. Même si par contre, c'est pas clair, faut se débrouiller un peu tout seul. Ah, il y en a qu'un qui est malade!
Les autres, ça va? J'avais l'impression qu'on avait plus. Walibi. Hein. Ok. Tac, tac. Allergie. Oh bah ça va. Oh bah ça va. Il me faut un petit antihistaminique. Injection létale. Direct. Oh tout ce qu'il y a la vache. Ah ouais. Ah ouais. Ah, manifestation allergique. Substance antihistaminique. Il m'en faut qu'une du coup. Hein. Ouais. C'est qui? C'est Sally. Non, c'est Penny. Pourtant, ils vomissaient tous. Trop bizarre. J'ai pas pris l'arme, c'est ça? Je m'en aille. Moi je veux le guérir quand même. Oh, damn. Se mettre un peu en confiance, tu fais ton taf. Oui, ça fait... c'est vrai que ça fait partie du jeu, ouais. De se mettre un peu en confiance. Ah, c'est peut-être moi qui ai halluciné, mais non, mais l'enclos il est ouvert. Tâche échouée. Comment je les sauve? Vérifier l'enclos. Manipuler le mutant. Macroribius. Mais attends, attends, comment je fais ça? Macro machin. Comment je fais pour sauver? Il me dit pas le jeu, c'est un coche. Manipuler le mutant, macro machin. Vérifier l'enclos des Walibi. Sauvez-le là. Comment je les sauve? Tranquillise-lui sa mère. Bon, j'ai deux tranquillisants, ça va peut-être suffire, on va voir. Comment je vous sauve? Oh, Amy! Prendre 3 tranquillisants, non? Ou il faut 3 doses de virus? Ou il faut que je tue? Oh, je sais pas. Bourle. Oh mais il a 3 vies. Bon, on va voir. Hein. Est-ce qu'on fait une injection létale? Une injection létale? Écoutez, ce sera pas de trop, je prends un troisième tranquillisant. Ce serait bien. Peut-être tester le tranquillisant, puis si ça fait rien du tout, l'étal. J'ai 3 tranquillisants. Peut-être si tu tues pas, tu sauves les autres. Oh mince. Comment ça? Ok, je teste les tranquillisants. Ça marche pas, l'étale compagnie. Ah, il dort un peu. Ah, mais ça sert juste à ça. Ok. Oh, désolé.
Il est où? Il a disparu. Ah, c'est dégueulasse. C'est à ça que ça sert le truc. C'est à ça que ça sert le truc à UV peut-être. Infrarouge, oui infrarouge. Infrarouge, infrarouge, qu'est-ce que je dis? Mais ça me... Oh non! Oh non, il en a tué deux. Non! Ça je termine? Comment ça? Comment ça? Ah. Comment je récolte ça? Il est dead. Semblerait. Mais les autres ils vomissent aussi, c'est... Ça va pas. Penny elle vomit, il caca, mais what the fuck. Il me reste encore Jenny, bah, il en reste qu'une de toute façon, mais doit être soigné de son allergie. Mais du coup l'autre était pas malade et il s'est quand même énervé? Attends. Ah oui. Mais Penny, ils sont tous morts à part Penny, c'est ça? Allergie. À part Penny. Ok. Attends. S'il te plaît. Voilà. Nickel. Tout le monde est sain et sauf. Comment je le prends ça? J'en ai marre. Dis-moi comment le prendre le jeu. Eh oui, je l'avais tiré. Ben oui, en réaction du vent. Oui, oui, c'est ça. J'avais tiré ça dans le couloir, ouais. Ouais, je vais aller chercher l'aspirateur, t'as raison. Oh, oh punaise, tu es déjà tellement infecté. Ça me dégoûte. Brûlé. J'en ai rondement mené. Tout ça pour avoir perdu 3 bestioles. Merde. Mais du coup le truc il est ouvert. Bien joué Lemon. Smart. Bisous Penny. Ah, je l'ai caressé quand même, le bébou. Oh, mon bras. Oh, oh cette petite bouille. Je suis désolée. Je la laisse avec les cadavres. Bon bah, va fermer quand même. Merci. Ferme pas le truc. Bon.
Interagir avec les cadavres? Je vais essayer, t'as raison. Non, ça me propose aucune interaction. Oui, j'ai pu aspirer le truc. Très mortuary assistant. Je l'ai pas fait. Ça a l'air d'être beaucoup plus basé à part sur les screamers, non? Bon bah je peux pas fermer hein. Bah écoute, je... Allez, tu es libre. Ah. Bah adulte. Ah, faut que je le mette dedans. C'est vrai. Ça va, sinon je peux pas rentrer parce qu'il faut que ce soit stérile. Et du coup c'est ça le petit truc parasite, voilà. Merci, merci. Est-ce qu'il a analysé le parasite? Diagnostic. Peut-être que je rentre au hub. Je considère l'animal mort comme soigné. Ah, j'ai pas fait gaffe, il y avait pas écrit mort. Effectivement, c'est cocasse. C'est cocasse. C'est vrai qu'il peut pas être plus malade qu'il ne l'est, du coup. Coucou! Ah bah je me doutais. Okay. I won't touch you. I'm the night zookeeper, Paul Connolly. And you? Sarah Watkins, journaliste d'investigation. Ah. Merci de m'avoir sauvé. Dommage que je puisse pas te rendre l'appareil. Que veux-tu dire? C'est probablement qu'on t'a injecté quelque chose, une sorte de parasite. You also know something about these. C'est quelque chose sur ces parasites? But how do you know? Sorry, bro. Journalists don't reveal their sources. Les journalistes ne révèlent pas leurs sources, mais on va mourir en fait. Je peux seulement te dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le plus important est d'ouvrir cette stupide porte avec une théorie biométrique pour rassembler des preuves. Tu peux m'aider? Comment je t'aide? Ah, moi? Ma main? Bah tiens. Tu vas y aller? Ah ouais, non. Monsieur. Désolée. Pardon. J'ai un peu les mains moites. Hop. Ouais, non, non. Bah voilà, hein. Allez, bah... Bisous. Tu te laisses taper, hein? Tu t'arrêtes pas? Tu veux pas m'aider à sauver les animaux? Bon. Bisous, hein? C'est sympa. Charmante. Je reviens toujours ici au cas où il se passe une nouveauté. Tu sais qu'il y a une fenêtre sinon... Non mais c'est la porte qui donne accès aux preuves, c'est pour ça. Ok. Test tranquillisant. Vous voulez tester le tranquillisant sur elle? Non.
On l'a pas tué, on est sympa déjà. Faut qu'on sache, nous sommes des aventuriers du gaming. Ça veut pas. Ça dézoome tout de suite. Non. Je l'ai gâché hein, quand même, j'ai essayé. Je l'ai gâché en essayant de tirer très vite. Mais évidemment, du coup, si le jeu il veut pas, c'est que ça donnera rien. I tried. Ah là 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 là. Ben, bonne petite journée là hein. Aspire son caca. Allez, aspire le caca. Écoutez, ça a l'air d'aller. Petite prise de sang, peut-être. Merde, à chaque fois, je me fais avoir. Bon, je compris, c'est pas le principe, quoi. Faut que je fasse quoi maintenant, en fait ? Je fasse le dernier enclos. Nous avons livré de la viande fraîche. Dirige-toi vers le hub, au Citadel. Ah. Comment ça ? Pas la viande. Attention, hein, moi, tu sais ce que je fais, hein ? Attention. Ah, bah ça, c'est... Bien dit. Ça, au moins, il est mort, quoi. On a broyé notre premier cadavre. Regarde pas, toi. Voilà, fais tes trucs. T'inquiète. Le truc, c'est que les pingouins, c'est pas de la viande qu'il leur fallait. C'était du poisson. Au moment où il tombe, t'entends. Ah, c'est possible, hein. C'est très possible. Faut que je la mette là, je pense. Ah oui, un levier. Ah oui, pour le poisson, il y a un levier. Ok, d'accord. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dernier enclos en speedrun avant d'aller se coucher ? Vas-y, on fait ça. Juste du poisson. Bah, le reste, je peux le virer alors. Quoique. Je m'en fous. Tiens, les pingouins sont végétariens donc ils mangent du poisson. Arrêtez. Mince. Pardon. Allez, dernier enclos en speed puisque je voudrais que la VOD soit pas trop longue, mais je veux le montrer quand même dans la VOD, mais je veux pas couper la VOD. Enfin bref, voilà, t'as compris. T'as compris. Poisson préparé. Préparé, tout à fait. Pas coupé. Il faut 2 kilos et j'ai 3 kilos. Pas mal là. Oh non, nickel. Accepté. Poiscaille, t'as rien. Oh punaise, ils ont la dalle, les pauvres. Eh ben, c'est y part. On s'y dirige vite.
Avertissement, le filtre à biodéchets est bouché. Le filtre à biodéchets est bouché. Nettoyez le filtre à biodéchets. Ça ? Non. Ah, c'est ça. Ah, mais j'ai une petite main. Attends, tiens, copine, c'est pour toi. Human hand? Where did you get it? Où tu l'as eu? Bah en fait j'ai brûlé un cadavre derrière toi. Like... Well, never mind. Try to use it on a scanner. That's what I was planning to do. Cool. Let's go see where these maniacs conduct their experiments. Oh. I'm not sure I want to go in. I just want to get through this night and go back to my family. Are you out of your mind? Tu as perdu la tête, il y a un parasite en toi. Tu vas bientôt muter. Tu crois que quelqu'un te laisserait sortir d'ici? Quoi qu'il en soit, c'est à toi de décider. Mais si tu fermes la porte, je ne te laisserai pas rentrer. Ah, j'ai un vrai choix? Non, mais je viens. Bien sûr que je viens. Je veux en savoir plus. Oh. Disgusting face. Pure maniaque qui manque de vie personnelle et de vitamine B9. C'est mon collègue de jour. En gardien de zoo, votre doc a trop de diplômes scientifiques. Je parie qu'il est le chef. Oh, mon téléphone! Faut que j'appelle ma femme de toute urgence. Vas-y, go! Bon, quelque chose de substantiel, ensuite nous pourrons aller à la police. Ok, 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 ok. Fantastic. There's a computer, but no data. Y'a pas de data, pas de données. Clarence J. Summer. Poor CJ. Ah, c'est CJ! Did you know him? Vous l'avez connu? Tu n'appelles pas ta femme? Bah elle a dit attends, qu'on trouve un truc avant. Ah, c'est un jeu à choix en fait. Si on trouve rien, bah je l'appelle. Je vais changer d'informe. Bah c'est elle qui doit venir me chercher. Parce que je vais mourir. Il provoque les mutations chez l'homme comme chez l'animal. Floppy disk? Where'd you get that? Ah, j'ai trouvé ça dans un casier. Ah oui, d'accord. Here's the password. Damn. You're not a hacker by any chance. Il n'y a pas un cœur par hasard, n'est-ce pas? I can guess the password. On est le cas, je peux deviner le mot de passe si je sais qui l'a inventé. Then we're at a dead end. What is this? Time to deal with another mutant. Fuck. Let's still call the cops. At least they'll get us out of here. I'll think about it. Comment ça, je vais y réfléchir? Bah, si, appelle la police! Ah, mais c'est que moi, je risque de mourir en vrai. Damn, the phone did die after all. Bon, bah, il va me falloir un petit chargeur là. J'avais pas trop remarqué l'effet fichier jusqu'à présent. Là, je le remarque beaucoup plus. Un Resident Evil, mais avec que des animaux, ouais. Je pense que du coup le téléphone aurait lâché au moment important, ouais. Mais elle aurait su, on aurait peut-être pu lui parler un peu à notre femme. Injection létale.
Je sais pas la quantité que je peux faire. Non, avec un héros qui est juste nul. Faut qu'on s'occupe d'un autre mutant, bah il est où? Mais chez les pingouins j'imagine, puisque c'est le seul truc que j'ai pas encore fait. J'aime bien le fait qu'il y a un petit... Enfin, si c'est le cas, qu'il y ait des petits choix comme ça. Tâche mise à jour. Peut-être faire des tranquillisants, vu que j'en ai plus. Faut que je fasse gaffe, hein, je sais. C'est que je peux en faire... Ah, j'ai 590 sur 50. Ah oui, d'accord. J'en fais deux tranquillisants, ça suffit. Ça suffit. Ok. L'extérieur, de l'intérieur, oui. Ok. J'espère que le son est bien, qu'il vous nique pas les oreilles, mais qu'il est quand même bien. Alors les petits pingouins. Je me suis dit que j'avais pas vérifié la porte derrière moi. Alors, qui c'est qu'il y a? Bienvenue dans l'enclos des pingouins. Daisy, Luna, Coco, Tinker, Misty, Rocky, il y a du monde. On va espérer avoir le temps de tout faire. Coucou les petits loups. Bah tiens, on est juste à côté. Et tout le monde. Voilà. Là, je t'ai amené guérir les animaux. Ah déjà? Je sais déjà. Non, bref, on va voir. Peut-être que j'ai déjà découvert une anomalie. On va donner à bouffer. Je garde mon 6, ouais. 6, ça va être beaucoup. Voilà, donc j'ai nourri par hasard. Non, je pense pas. Ça va ressembler à n'importe quel mangeoir. Ah bah c'est là, c'est juste là. Tu sais que c'est des manchots et non des pingouins. Oui, mais si t'avais la culture que tu prétends, tu saurais que le mot manchot n'existe qu'en français et que du coup forcément c'est écrit pingou. Tu vois? Je le savais. Ouais, c'est facile de le dire maintenant que je te l'ai dit. À différence de tous les gens du chat. C'est vrai. Non mais c'est pour ça, moi je t'envoie toujours un MP quand j'ai une question sur un animal. Les MP tout pétax. Ça va être chiant, il va falloir que je les entende tous là. Ah non, je vous en supplie. Faut vraiment que je vous endorme. Allez là, dans le dos. Faites un dodo. J'ai aussi une anecdote sur la chanteuse de Super Plus.
T'en aurais pas une sur la scène du plateau avec dans Spider-Man 1? Truc en attendant. Ouais. Je vais faire ça. Pff, qu'est-ce que je fais? Ah si, c'est pour réparer les cacas peut-être. Je vais faire ça. Ah, toi là. Attends. Culture. Oh mais il a du violet sur Mimi. Ah là ils sont chill, c'est cool. Faut que j'en profite. Désolée, je vous dérange. J'en ai vraiment besoin. Animal ne t'en veut pour la piqûre. Non, il parle juste chouiner. Tâche terminée. Ah bon? C'est parce qu'ils ont tous mangé ou c'est... Je sais pas. Je sais jamais. En vrai, il y a sûrement pas besoin de faire toutes les analyses de sang. Parce qu'ils auront tous la même maladie si... Enfin... Ah mais s'il y a qu'un symptôme et que c'est le sang. Ouais. Bon, bref. Relou, je peux même pas me retourner quoi. Il en a fait deux en même temps, pourquoi il en a pas fait trois? Ah Luna, température et son. Misty, ça va le son. Mais ça va la température aussi en vrai. Il faut que je sache. Oui, il a peur. Oh non, j'ai pas eu le temps. J'ai eu putain de plomb. Tâche terminée, ok. En fait, faut que je fasse confiance quand ils me disent stage terminé, je pense. Matière fécale, c'est terminé? Ah, c'est le son? Mesurer le son? J'ai pas fini? Ah non, c'est les autres. Soumettre analyse de sang, soumettre matière fécale. Les autres, c'est bon, apparemment. C'est ce que je comprends, hein. Ouais, je pense que j'ai pas besoin de tout faire. Ah, j'ai pas pris la matière fécale. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, tu as raison, j'ai rien ramassé. C'est l'inverse. Quand ils me diront tâche terminée, c'est que j'aurai pas besoin de tout ramasser. Bon, j'ai besoin de tout ramasser, je crois. Ça va, c'est facile à trouver vu que c'est tout plat. Ah bah non, ils me disent pas tâche terminée parce qu'il faut que je les analyse. Donc ils me diront jamais ça, tâche terminée. Et oui, oui, tu as raison. Bon bah, je pense qu'on a... Là j'en ai ramassé 6 hein, si j'ai bien compté. Allez. Cette analyse de sang, le truc c'est que j'ai pas analysé le sang de tout le monde. Est-ce que c'est préjudiciable? On n'a qu'une qui a des symptômes pour le moment, donc je pense qu'il y a pas, c'est pas nécessaire que tant que j'ai son sang à elle ou à lui. Merde. Je suis trop nul.
Salut Sigurdek, merci pour le follow. Bah non, mais c'est bon, c'est dans ma main. Et coucou! Ok. Bah je peux foutre ça à l'intérieur, j'imagine. J'imagine. Sir Deck même, sûrement. Sir. Diagnostiquant. Ah oui. Analyse de soin, analyse de soin. Tu as raison. J'espère que j'ai les analyses de celui qui est malade aussi. Sinon j'y retourne vite fait. Une fois ça les fait tous ? Ah bon ? Merde ! Ah une fois ça les fait tous ? Putain, le seul qui est malade, j'ai passé sa analyse de sang, fuck. Je suis sûr que ça les fait tous, hein. Oui, t'as raison. C'est vite, t'as raison. Oh damn. Eh ben... Non. Hop. J'ai eu là. Oh, j'ai pas rechargé. Parce que je suis idiote. Oh, j'ai raté. J'ai raté. Je t'ai goûté. Je m'envole comme dans l'étal avec les petites bestioles. Allez, s'il te plaît. J'ai eu. Je l'ai pas eu. Ah, ok, il est parti dormir. J'ai une minute pour me faire un truc létal. Putain. Le contrepoison, mais je ne sais pas ce qu'il a en fait, vu que c'est pas le... En fait, c'est un autre que celui que je diagnostique qui est malade. Ah oui, il y a... Franchement... C'est Luna qui était malade ? Non. Luna, là. J'ai plus de tranquillisant, j'imagine ? Si, j'en ai un. Tranquilliser Luna. Désolé. Il faut que je contrôle ton sang. Allez. C'est écrit sur son nom. Ouais. Du coup, faudra que je vois si j'ai le temps, j'avoue.
Ok. Il y avait le sang aussi. La peste. Nice. Ah ouais, t'as raison. J'aurais pu peut-être fabriquer l'antidote. Ah, par la peste. Pour le traitement des affections graves causées par machin, la peste. Ouais, la prochaine fois, j'essaierai de voir si je peux faire le traitement. Tu as raison. Non, pas affection létale. C'est Luna qui va pas bien. Elle avait un timer sur elle. Ah bah parce qu'elle était endormie. Let's go. C'est bon. C'est bon. C'est bien écrit sur son nom. Ouais. Faut que j'aspire. Faut que j'aille aspirer, t'as raison. Faut que j'aille aspirer le truc. L'infection. Le téléphone, il va continuer à sonner, je pense. Et tu es où ? Ok. Je ramasse tout. Désolé. Il m'arrive quelque chose d'étrange, une envie irrésistible de manger de la viande crue. Ma main a saisi un morceau tout seul et je l'ai dévoré presque sans mâcher. Allez, allô, Kit. Merci. Night Zookeeper, Paul Connolly. Hey Paul, this is Mrs. Summers. Did you find anything? Avez-vous pu trouver quelque chose? Miss Summers. Désolé de vous dire ça, mais il semble que quelque chose de terrible soit arrivé à votre mari. I found his hand. J'ai trouvé sa main. Just his hand. Juste sa main. Oh God. God. Miss Summers, are you there? I understand. Vous êtes en état de choc. But please call the police. Et s'il vous plaît, appelez la police. Hitler. Moi et la journaliste Sarah Watkins. Sarah sommes enfermés. Seriously? Is CJ messing around? CJ s'amuse encore avec cette salope. Well, now et bien maintenant, tout est clair pour moi. Tell her that these idiotic pranks won't work on me this time. Oh non, elle nous abandonne. Let that bastard try to come home. I won't just cut off his hand. Est entré à la maison. Je couperai la. Je couperai pas seulement sa main, je couperai la bite. Un jeu de gestion de pingouin? Un jeu d'horreur où tu gères un zoo infecté par des virus très bizarres. Et toi-même, tu es infecté par un virus très bizarre. Sauf que tu t'es retrouvé là-dedans. Et maintenant, tu peux plus sortir. Voilà, en gros. Oh, le son était un peu fort. Oh, ça va, c'est normal. Merci beaucoup, Chakaoa, pour les 10 balles, merci. Merci, merci. C'est gentil. J'ai des donation goals, mais pour le moment, je les cache. Merci. Plus proche d'un Resident Evil que d'un Planet Zoo. Pas faux. Pas faux, pas faux. Et là, je vais rentrer à la maison. Merci. Et j'ai récupéré le skin, il est joli. Bravo. N'hésitez pas à aller voir Chakaoa aussi, kiff sur... l'événement est à cause. Il y a du monde hein, sur cet événement.
N'hésitez pas à aller voir. Merci, t'avais pas le son, c'est vrai. Ouais, j'avais pas le son, j'ai... c'est dur ce qui me l'a rappelé. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Alors, on va aller soutenir le poteau. Alors, faut que je vide ça. Ah non, c'est bon. Damn, you look damn. Awful. Ça ressemble à la meuf de Twilight, mais j'ai pas son nom. C'est your source? How do you know? Answer. Well, kind of. I slept with him. J'ai couché avec lui. Il m'avait promis des informations sur les parasites. Au lieu de cela, j'ai reçu un sac sur la tête et une seringue contenant un tranquillisant. Si je disais que j'ai trouvé une disquette dans son casier, serait-il plus facile pour toi de deviner le mot de passe? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Alors, on va voir le mot de passe. Kristen, voilà, merci. Kristen Stewart. J'avais à fond son nom, mais enfin, j'avais vraiment sa tête, mais. Envoyez la formule du poison sur le PDA. Ça vaut pas le temps. Ah. Ah, il y a eu un Charlie's Angels avec elle, je savais pas. Idiocrétien, trou du cul, qu'est-ce que tu as dit à cette salope, la femme de CJ? Je t'avais prévenu que tu devais tout faire. Faire tout ce qu'il disait, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vas... ce qu'ils vont faire de toi maintenant? Va te faire foutre. Tu as déjà tout fait, j'ai un parasite dans le corps. Voilà comment ça se passe. Tu as sans doute remarqué que les animaux ne te touchaient pas. C'est à cause de ce parasite. Ils te considèrent comme l'un des leurs. Bref, Paul, tu as beaucoup gâché. Envoie cette salope de Watkins au broyeur et attends-moi à l'entrée. Est-ce que tu pourras garder son emploi et obtenir l'antidote? Très nul, il y a genre 2 ans. En 2019. Déjà que Charlie Angel, c'est pas mon d'elle. Mais alors... même pour le côté kitsch. I have to feed my family. Ah non non, je voulais pas les tuer. Non 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 non. Non 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 non. Hey Paul, are you here? Je voulais pas, je l'ai pris machinalement. Non 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 non. Oh, je voulais pas. The meat you gave me was incredibly delicious. Gina had 3 servings. Je l'ai pris machinalement pour me défendre contre lui. Pas pour la tuer elle. Oh non. Ils ont tué ma femme. Good morning, Paul. How was your night? It's time to feed the mother. Wake up, Paul. Mother likes her food to flutter and squeak. Ah, je, il parle plus. Don't worry about your wife. Il parle dans ma tête. She'll make a great dessert. Really, Paul, you didn't think that after everything on va tuer ça. I'd let you go. On va tuer notre femme. Oh, looks like mommy is particularly hungry today. Oh, j'ai une mauvaise faim là, j'ai un. Ah oui, d'accord, j'ai la mauvaise faim. Ok. Et alors, va falloir peut-être que je fasse mieux. Paul a choisi la voie de la violence et a tué Sarah. Il n'a pas non plus appelé Lily pour l'avertir de l'origine de la viande. Ce qui l'amenait à lui apporter un délicieux repas de viande. Mais elle n'avait aucune idée du mal qui se cachait dans cet endroit. Doc s'est occupé d'elle rapidement. Heureusement, elle n'a pas souffert. Après cela, les corps de Paul et Lily ont été donnés en pâture au monstre. Ah, je pense que c'est la mauvaise fin, ouais. Nouvel animal disponible. Le cerf. Le cerf. Pff, le cerf. 11h36 de live, je rappelle. Le cerf. Faut aller tout. Le cerf. Oh là, je savais. Je savais, j'ai juste vu l'avenir. Bon, c'est un élan, mais voilà. L'hippopotame. C'est un raton laveur. Bah là, c'est un zèbre. Un ours. T'es relou. C'est trop chiant. Ouais, ou un lion. Jamais. Eh ben, on va faire le nouveau game plus. Mais la prochaine fois, peut-être demain. En tout cas, là, c'est la fin de la VOD. Avec des super cerfs et des lions. Merci beaucoup, VOD. Des bisous. Bye bye.